Et bonjour à tous et bienvenue pour le 44e épisode de notre survie avec Maud sur Project Zomboid. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui ce qu'on va faire, et donc j'ai lu, déjà avant toute chose, j'ai fait du œuf, juste pour lire la menuiserie 5, pour choper le 9e et 10e point. La recherche, je l'ai lu, j'ai fini la pêche aussi. Et puis voilà. Rien d'autre, rien de spécial. On va remplir un peu notre bouteille, notre vapeau. Elle a soif. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, j'aimerais bien aller me balader en ville, à pied. Remplis le vapeau. Normalement, ouais, tu vas avoir assez. Nickel. On va aller se balader à pied. Histoire de voir ce qu'on peut avoir dans les alentours. Et continuer à nettoyer les alentours, bien sûr. On a deux spires ici, deux lances, on va les prendre. Voilà, deux lances, ça devrait peut-être suffire, sachant qu'on a ici... Non, on n'a plus... Qu'est-ce que j'en ai fait? À moins qu'elle soit ici. Je perds la boule. Je perds la boule. Bon, c'est pas grave, ok. Si et tout ça, on va garder au cas où... On va se faire un café, suivi d'un café. Voilà, comme ça on aura deux petits cafés. Hop là, fais-moi celui-ci. Merci bien. Voilà. Et là, on va aller se balader. Par un vent matinal. À presque moins de degrés, on a eu nos premiers flocons de neige cette nuit. Je les ai pas vus. Je les ai pas vus, regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est la première fois que j'ai de la neige, j'ai envie de me rouler dedans. J'ai envie de faire des batailles de boules de neige. Impeccable. Faudrait qu'on récupère cette fontaine. Il fait presque moins 2. Faudrait qu'on trouve des vêtements un petit peu plus chauds. On n'a pas de pull, non. On n'a qu'un sweat à capuche. Mais pouvoir isolant, il est pas ouf. Faudrait qu'on trouve ça. Niveau nourriture, on a 2-3 petits trucs sur nous. Mais elle est toujours en prise de poids. Ouais. Donc on va attendre un peu avant de la faire manger. J'ai pas envie qu'elle se roule par terre. J'ai pas envie qu'elle roule dans la neige. Je le ferai à sa place. Donc là, ça va être une vidéo un petit peu tranquille, balade. Une voiture de police là-bas. Est-ce qu'on l'avait regardée, celle-ci? Ça pourrait être pas mal pour nettoyer une zone avec la M16. Allumer la sirène. Et puis tout nettoyer. On avait fouillé le coffre. On n'avait pas fouillé le coffre. C'est bon signe. Boîte de 9 mm avec un M9. Ça, on va le démonter. Oui, on en est là. On en est là. Ça, on n'en a pas besoin. Ça non plus. Ça non plus. Ça, on va la garder. La pile. Bien sûr, on la garde. C'est pour ça qu'on fait. Et en poule aussi. Est-ce qu'on peut y faire les fils? Est-ce qu'on peut y faire les fils? Bien ça. Alors avant d'essayer de démarrer, regarde plutôt si tu as de l'essence. Ça serait plus rapide. Réservoir, carburant 1 sur 35. Dans le coffre, qu'est-ce que tu as? Oh, un fusil à pompe, un M9 encore. Le M9, il est en parfait état. Le fusil à pompe, on va le prendre aussi. La trousse de secours, j'en ai jamais sûrement. On va en profiter pour la prendre. Et puis, bah, les munitions aussi. Allons-y. Bon, on sait qu'ici, on peut avoir une voiture de police. Juste qu'on le note au pire. Hop, on est juste là. Et on va essayer de le noter. Vite. Qu'est-ce que je peux y mettre? Un petit bateau. Voilà. Je sais que c'est pas un bateau. Hein.
Allez, continuons notre périple. Oh, il neige. Regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est beau. Et je vous jure, c'est mes premiers flocons de neige. Je suis comme un gamin là. C'est la première fois qu'il neige. Ah bah voilà, on va se réchauffer un petit peu avec ça, non ? Ouais, mais fais pas la folle mode. Un petit katana aussi. En cadeau de bienvenue, ça serait cool. Hein. Non, pas beaucoup, mais un petit katana quoi. Un combat sous la neige. Est-ce que quelqu'un a un petit pull, quelque chose comme ça, parce que c'est pas que je veux pas, mais il commence à faire frais. Après, on n'a pas de tempête non plus, hein, mais... si on peut anticiper un petit pull. Non, personne. Il faut vraiment trouver un magasin, là de... Pour isolant, faible. On avait, hop, on va attacher ça dans le dos. La spire, là, on peut la jeter. On va prendre l'autre à deux mains. Du sucre, allez, ça nourrit. Faut qu'on monte les travaux des métaux aussi. C'est un truc que j'ai pas fait. Oh, du café. C'est bien ça. Du beurre, du saumon, de la mayo, naise. Tout ça, bah on peut prendre tout ça, ça fait de l'assaisonnement en plus. Allons-y. On va pas trop se charger. Hein. Le but est vraiment de continuer à nettoyer les alentours et pas de se charger. Dans cet épisode. Ça, on peut le démonter. Allumette, ça pèse rien. Ça, on peut prendre aussi. Amplificateur, aluminium. On s'en fout, ça on s'en fout, ça on peut le garder là. En poule, on va les garder aussi. Et ça ici, voilà. Je ne vais pas regarder en bas. En poule, boîte de vis, on prend. Alors oui, j'ai vu aussi... ferme-moi la porte s'il te plaît, merci. J'ai vu aussi dans les crafts... Bah voilà, c'est là. On peut fabriquer des trucs pour le MV. Avec un chalumeau, un masque, des plaques, des vis et tout ça. Au lieu de tenter de les trouver, comme ça aussi, une aiguille et une bâche. De ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc on verra, pourquoi pas. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on monte le travail des métaux. On va le monter rapidement. Peut-être pas dans cet épisode-là, mais c'est prévu. Certainement dans l'épisode prochain. Ou alors en off un petit peu. En off un peu, je pense aussi. Alors ça, c'est juste contre les égratignures. Maintenant, il pleut. Bah, la neige n'aura pas tenu longtemps. Là, il y a quelques vêtements et quelques véhicules. Oh, je suis déçu. La neige n'a pas tenu. J'aurais dû la mettre au congélateur, la neige, pour qu'elle tienne, non? La lance qui a cassé, super. Hop là, tiens, récupère ça. Oh, la belle petite horde. Allez, venez là, Maud, elle est fâchée, là, la neige a pas tenu. Il y a un fusil à pompe ici.
Allez. C'est un couteau à pain que tu as là. Et toi, c'est un couteau de cuisine, je crois. Couteau de cuisine, on peut prendre. Ouais, couteau à pain. Ouvre la fenêtre. Oh, des crèmes glacées. Fraîches. Elles ne sont pas pourries. On va les prendre. Canette de soda, ça fait prendre du poids aussi. Tout ce qui est viande séchée on peut prendre à la limite. Mais on va pas trop charger comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, connaissance automobile, vous avez déjà lu, on va le mettre par terre. Vous avez déjà lu. Vous avez déjà lu. Ok, bah si on a déjà lu. Tant mieux. Extincteur, on n'en a pas. On va pas le prendre, sinon on va être surchargé, j'ai pas envie. Canette, canette. Il y a à manger encore ici. Il y a à manger et on a faim. On est en train de mourir de faim. Eh, regarde, zombie, je mange devant toi. T'as vu? Oh, comment c'est bon. T-shirt, t-shirt. Débardeur. Bon, là, tout ça, ça va être... pourri. Un tout petit magasin ici, hein. Vitamines. Des céréales. Allons-y. On a de la place. Pas les chips. Mais je suis gourmand. Je suis gourmand. Ah. Oui, c'est pourquoi. Tu l'as dit, Blue. On en a plus. Désolé. Revenez une prochaine fois. Je note ce magasin dans la map. C'est bien qu'il pleuve, ça va arroser le potager, ça va re-remplir les collecteurs d'eau. Il y a personne, vite. Hop, 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 ici. Et on met nourriture ici. Alors, normalement, on peut mettre la map et... voilà, et je suis en pause, voilà. Je cherchais la touche à chaque fois. Et ce qu'on va faire, on va se faire une petite légende. Au cas où. On va se faire une petite légende ici. Genre ça. On va marquer à côté. Nourriture. Voilà, on va mettre ça. On va écrire vide. Et puis, on avait mis aussi ça. Hop. Véhicule. Hop là. Voilà, comme ça, on a notre petite légende. On sait ce que c'est. On avait fait le rond, je ne sais plus encore. Donc, on verra. La hache, c'est pour les armes. Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Je suis aveugle. Je suis aveugle. Elle est ici. Hop, on fait ça bien. Hein. Arme. Hop, voilà. Et on continue.
continue. Il y a des petites maisons ici. Est-ce que ça en vaut la peine? Peut-être pas. Je vise plus tout ce qui est garage et tout ça pour potentiellement des chalumeaux. Très bien de trouver des chalumeaux. On n'en a pas tant que ça. Ou des réservoirs de propane aussi. On n'a pas. Là, il n'y a rien d'intéressant. Là, il n'y a rien. Toi, tu as un fusil à pompe, mais j'ai pas envie de me charger. J'en ai déjà plein. Je me dis qu'on en trouvera. Encore. Et encore. Plein. Allez, venez. Allez, faut tuer. Non, faut pas faire ça. Surtout pas ça. Surtout pas ça. On a plus de lance. On n'a plus de lance. Mais si on a des planches, on peut en refaire. Là, c'est quoi là? On va rien y trouver ici. On a sacrément faim encore. On avait fini le bol, je crois. Est-ce qu'on avait fini le bol? Non, il est là. Mange. Alors là, dans ces maisons-là, il n'y a pas de garage. Toi, tu n'as rien et toi non plus. Il faut trouver un magasin de vêtements aussi, ça serait bien. J'ai pas envie de fouiller toutes les maisons, toutes les armoires, juste pour essayer de trouver un pull, quoi. Un pull ou un manteau. Vous comprenez, j'ai pas forcément envie de ça. On augmente la discrétion en même temps. Hein. Discrétion et furtivité. Que nous sommes un ninja. D'ailleurs, en parlant de ça, normalement j'avais un couteau de chasse. Voilà. Ceinture côté droit. Ah, des véhicules ici, peut-être. Peut-être un autre véhicule. Qui sait? Qui sait? Bah allons lui demander. Moi je ne sais pas. Ouh, il y a un petit groupe là-bas, on va aller s'amuser un petit peu. Vite. Fume. Fume, 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 fume. La chaise sur le toit me laisse penser qu'il y avait une personne ici qui surveillait les alentours, voire défendre ce bâtiment. Des zombies, des attaques. Deux zombies. Discrétion, on a presque un point. On va bientôt choper le point. C'est bien ça. On devrait pouvoir le choper là. Dans très peu de temps. Bah non, parce que tout le monde nous a vus. Donc ça ne va pas être là. Il va falloir qu'on se repose parce que la fatigue va venir. L'essoufflement, pardon.
Il suffit que j'en parle. 4415. Allez, chope le point là. Pas maintenant. Mon kikin. À chacun votre tour. C'est gratuit aujourd'hui. On va se reposer un petit peu dans ce véhicule. On va se reposer un petit peu à côté de ce véhicule. Un zombie qui arrive là-bas. Hop là, le repos est terminé. Il était très efficace, disons. J'aimerais pouvoir me reposer. S'il vous plaît. Oh, sympa. Sympa, sympa. Là, il y a du Z, là. Là, ça sent le Z. On a la clé, en plus. Et il n'y a pas d'essence. Regarde dans le coffre de celui-ci. Il n'y a pas de jerrycan non plus. Allez, tu peux choper le point. Ils t'ont pas vu. Tu peux te reposer là, tu sais. Regarde, vite fait. Tu vas voir, ça passe. T'as le temps. T'as le temps. Je l'avais dit. Voilà, discrétion, on a pris le point. Nickel. Allez, viens là, mon loulou. Tu m'as vu, je t'ai vu, on s'est vu. Alors viens. Viens me dire bonjour. Vite, l'essoufflement qui revient. On n'a pas le temps de se reposer correctement. Avec la discrétion, on est à 7. C'est super. Ça monte tellement bien. Oh, t'as une hache dans le dos, toi, je le veux. C'est pas que j'ai besoin d'armes. Hein. On en a jamais trop. Vite. Oh bah une autre. Bah c'est quoi ça? Un cadeau du ciel. Ça fait comme les katanas l'autre fois. Un katana et peu de temps après un deuxième katana. Elle est en bon état, mais par contre... enfin, en bon état vite fait, quoi. Tu m'auras pas, toi. Allez. Tu peux le faire. Sacrément grand ce bâtiment. Est-ce qu'on va faire vite? Où est-ce qu'elle est celle-ci? On va la mettre là. On saura, on la verra. Et celle-là on peut la prendre à demain. Il y a un zombie en bas, on l'a vu. Bonjour madame. S'il vous plaît, faudrait que j'arrive à me reposer un petit peu. C'était pas trop vous demander. Auriez-vous 5 minutes à m'accorder?
S'il vous plaît. C'est bien ce que tu fais là. C'est très bien ce que tu me fais là. Avec un essoufflement en plus. Je suis fier de toi. Prends un petit bêta. Non, pas dans le vent. Vous ne mourrez pas vivante. Oh, je vous le dis. Par contre, l'essoufflement, là, il se fait ressentir. Et bien comme il faut. Laissez-moi tranquille. Paquet de chips qui change la donne. Oh, ils sont sacrément beaucoup là. Pourquoi ils étaient autant dans ce bâtiment? Regardez-moi ça. Eh, je suis essoufflé. Hein. Au cas où vous l'auriez pas remarqué, mes loulous. Je suis essoufflé. Ça aurait été vraiment sympa d'être gentil avec moi. Et de venir que deux par deux, quoi. Et lassez vos chaussures pendant qu'on y est. On va être obligé de back. Il va falloir qu'on trouve un bâtiment de toute façon où dormir en plus. Avec tout ça au cul. Sachant qu'elle n'arrive pas à tuer en plus. Et de la lance. J'ai cru que c'était un katana au début, j'étais content. Ma joie est vite partie. Bon bah ok, allez hop, ça sert plus à rien. Avec cette horde là aussi. En haut aussi, ils reviennent. Le temps de rentrer, on va être à bout de souffle. On va avancer, on va marcher tranquillement. De toute façon, comme je dis à chaque fois, vaut mieux rentrer que tenter le diable. Il y a certaines choses qu'il faudrait que j'enlève là-dedans. Laissez-moi rentrer. Laissez-moi. Didadidadidadam. On a deux boîtes comme ça. On va rentrer, on va dormir, on va revenir. Mais plus fort. On va revenir avec le M16. Parce que j'ai envie de tirer un peu au M16. Tout simplement. On a 2, 4. On va avoir 6 points. Au rechargement, ça va vite monter, je pense. Donc là, c'est pas un problème. Allez, hop, on va couper par ici. Il y a des garages ici. Je me souviens pas les avoir fait ceux-là.
Bout de souffle. Ah, pouf souffle. Ça aurait été bien de pouvoir se poser là, non? Ah si, on les a fait ceux-là. Un groupe électrogène ici, vite, repose-toi. Le temps qu'ils viennent, on va être tranquille. On va être tranquille un petit moment. Ok, donc déjà on peut courir. Si jamais ils rentrent, on peut courir pour sortir. C'est très risqué. Mais j'aime le risque. On entend qu'ils sont pas très loin. Quand on est juste essoufflé, on s'en va. Allez, essouffle-toi seulement. Tu peux juste t'essouffler, tu sais. Je ne vais pas t'en vouloir. Il faudrait qu'on... Essouffler. Ok, on y va. Il faudrait qu'on trouve des... Ah oui, si, on est venu ici, je reconnais. On est venu, mais on n'a pas tout fouillé, vu qu'il y a des garages de fermés encore. Il faudrait qu'on se refasse des spires. Au pire, on a 4 planches à la maison que j'avais gardées pour faire une porte. La porte, c'est pas pressé. La porte, c'est pas pressé. Café. Bois un café. Parce que là, il y a du zombie. Faudrait éviter d'en attirer. Allez. Faut les tuer, ceux-là. Faut le faire. Ils sont pas beaucoup. Tu y arrives. Avec un petit peu de concentration et d'envie. Tu y arrives. Un minimum d'effort. Voilà, ça passe. Avec un minimum d'effort. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Tatam. 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 Très essoufflé. Donc là, c'est pas le moment. De toute façon, on est arrivé là. On est juste à côté. On va se vider un petit peu de tout ça, tout ce qu'on n'a pas besoin. Et puis j'ai envie d'aller de retourner voir le bâtiment où on était tout de suite. Donc là, je me vide. Je me prépare avec le M16. Et puis bah place au carnage quoi. Petite nuit, 7h20. Impeccable, je suis prêt. Il n'y a plus qu'à faire des lances ici. Mince, j'ai fait une, c'est pas grave. Hop, lance. 4. Allez, fais-moi le reste. On va pouvoir se faire une petite salade aussi. J'ai sorti des légumes. Par contre, on est extrêmement chargé. Il aurait fallu... on n'a pas tant de boîtes que ça. On n'a pas tant de boîtes, après on est beaucoup beaucoup chargé. Ah oui, mais on a fusil à pompe, d'accord, ok. On va le poser ici, lui, on n'en a pas besoin. Le pistolet, les deux, on n'en a pas besoin. J'avais pas vu ça. Je n'avais pas vu ça. Ça, on peut en mettre deux ici. Lui, il est pourri, d'accord. Je l'ai sorti, il teste tail. D'accord. Hop là, tu vas aller là pour l'instant. Et puis, on va y aller doucement. On va se faire vite fait. La petite salade. Carotte.
Hop, salade. Alors, carottes, tomates, pommes de terre et brocoli. Et tu as arrêté. Mets du brocoli. Voilà. Mince. On peut passer par là. Bon, il a pas reneigé. Tant pis. Tant pis, je suis déçu. Je suis triste. 82 kilos en perte de poids. Refais-toi la petite salade maintenant. Carotte. Je vais t'arrêter avant. Carotte. Tomate. Et puis pommes de terre. Hop, ça tu peux faire ça, ça tu peux faire ça. Là tu peux en mettre une autre dans le sac à dos. Voilà, ça passe. Nickel, on est bien, on est en forme. Il n'y a plus qu'à aller là-bas et on va faire un petit carton. J'ai trouvé un jerrycan dans ce véhicule-là. Je peux le siphonner, on va en mettre vite fait dans le véhicule de police. Et puis on va aller mettre la sirène pour attirer un maximum de monde. Et faire un carton. J'espère vraiment que ça va bien se dérouler, j'ai que 6 boîtes. 6 boîtes de 5,56. Je pense que ça devrait le faire. 6 boîtes. Je me dis ça va le faire. J'ai envie d'y croire. Vite, on est juste à côté en plus. Alors c'était juste là. Hop, et puis là on va faire... Voilà, on va faire comme ça. Et puis là, ça va être le bouxon. On est chargé. Par contre, faut tirer. Voilà, faut viser. Toi, t'as l'aspire. T'es le gars d'hier. J'espère que ça va pas être trop fort pour vous, honnêtement. Ça va attirer un maximum de monde. On va user de la balle. Hein. Là, c'est moi qui vous le dis, on va user de la balle. Oh oui, on va user de la balle. Beaucoup de balles. J'ai laissé le moteur allumé. Faudrait que j'avance et couper la sirène maintenant parce que sinon... Bon, après, ils restent tous là-bas. Ça sent la catastrophe, là. Ça sent la boulette. Non? Qu'en pensez-vous? Ça sent un peu la boulette, là, non? Après ça va s'ils viennent pas plus que ça. Allez, recharge. Là faut prendre un petit peu en rechargement. Ça nous diminue le poids, donc c'est vraiment pas mal. Ok, elle était bloquée. Pas cool ça. Y a beaucoup de monde. Reprends un bêta bloquant. Il y a beaucoup de monde.
On va essayer d'assurer les tirs comme ça au début à chaque fois. Il y a personne. On prend. Et on coupe ça. Voilà. Comme ça, on garde notre véhicule. Et là, je reprends le cachet encore. Elle a enrayé encore. Pourtant, elle n'est pas en mauvais état, hein. Allez, recharge. Niveau balle, j'en ai sorti encore, normalement. Voilà, encore 62 ici. Elle est encore enrayée. Mais c'est pas possible. Allez, Maud. Eh, faut viser Maud là, s'il te plaît. Profites-en pour recharger. Comme ça, si tu peux me choper le point de rechargement là. Non, pas encore. Passe là, c'était risqué. Pourquoi prendre des risques comme ça gratuitement? Allez. Ok, c'est bloqué. Débloque-moi ça, Ginette. Oh là là, le monde qui est encore. On t'a vu. Un peu tard, mais on t'a vu. Bloqué? Non. Recharge. Les gars, il est qu'à la moitié porté, la moitié seulement. Après, on n'a pas... J'ai pas regardé honnêtement. Pour être franc avec vous, j'ai pas regardé si on avait des accessoires à mettre dessus. J'aurais pu regarder. Ça aurait pas pris beaucoup de temps. On avait le temps. Les recharges. 11 balles. Il va falloir en ressortir encore. Prépare une boîte. Ensuite, prépare une autre boîte. Ouvre-moi celle-là et ouvre-moi celle-ci. Elle est en panique encore, mais c'est pas possible. Mais tu gères tout ça, tu gères, t'as pas besoin d'avoir peur. N'aie peur, n'aie peur. N'aie peur. Il n'y a plus que 7 balles. Recharge. Ça diminue. Enrayer. Comme si on avait besoin de ça.
Enrayer, comme si on avait besoin de ça. Enrayer encore, mais c'est pas possible. Combien il y a de balles encore dedans? 2. Recharge. Bon, niveau balle, ça va le faire. Après, on finira de toute façon à l'aspire et même à la hatchet. Y a rien de sorcier. Y a presque plus personne. Bien, ça tombe bien, ça tombe très très bien. Et on prend le fameux point de rechargement. Nickel, on est à 4. Alors des fois je comprends pas, des fois c'est en vert quand on marche, des fois c'est en rouge. Peut-être quand elle a réussi à stabiliser le tir, je pense. Allez, y a plus personne là, tu peux le faire. Don't panic. Garde les groupirs, nous groupirs. Par contre, faut pas que ça revienne. Ça serait sympa que ça ne revienne pas. Et ben voilà, et ben ce fut plaisant, tout ça. Ce fut... très plaisant. Est-ce qu'on a gagné quelque chose là-dedans? Ça, on peut prendre. C'est nickel. Nickel. Les bâches, on peut les mettre là. J'ai récupéré les bâches pour faire les trucs pour le MV. Après, on peut mettre les allumettes. Et là, dans les médias, c'est tout. Je peux me manger ça. Oh, le coup de crosse qu'allumé. T'as aimé mon coup de crosse? Est-ce que t'as aimé mon petit coup de crosse? Parfait ça. J'aime quand ça se déroule sans accroc comme ça. Mine de rien, le compteur de Z a dû monter encore. À combien sommes-nous? 7589. Ça va. On va avancer un petit peu, récupérer l'endroit où on était parce que j'aimerais bien voir le bâtiment vite fait. On y arrive, il est juste ici. Ok. Accident. J'ai causé un accident. Par contre, là, je vais peut-être pas tirer. On va déjà essayer de fumer un truc. Et on va y aller à la lance. Tranquillou. Voilà, plus silencieusement.
Allez. C'est tout aussi efficace, mais beaucoup plus silencieux. On peut le ranger. Le fameux petit M16 qui a pas pris trop de dégâts, donc ça va. C'est pas trop abîmé. Là, ça tape en bas. Donc on était ici. On était ici, il y a beaucoup de Z, j'aurais bien aimé savoir quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment? Et toi? Merci de te présenter, comment t'appelles-tu? T'as pas envie. C'est toi qui décides. On va nettoyer dehors avant. Je l'ai vu l'autre en haut. Non. Non. Laissez-moi tranquille. Ça revient tout le temps. Tout le temps. Ça revient tout le temps. Allez, repose-toi. Repose-toi. On va regarder en même temps les spires. Ouais, tu vas pouvoir en prendre une autre. Ensuite, à demain. Je sais pas pourquoi, j'ai l'habitude de faire l'action alors que ça ne marche jamais, quoi. C'est normal. Allez, on est bien. On est bien, prends celle-ci à deux mains. Bonjour. Pourquoi il y a du monde comme ça là-dedans? C'est quoi ça? Hop là. Ni vu, ni connu. C'est pas une sorte de môle ça aussi? Un petit môle ou un truc comme ça, non? Honnêtement, je ne sais pas du tout. Bah ça tombe de là-haut. L'autre il est descendu, il est tombé. Il s'est pris ma spire direct. Et on a soif. Là-dedans il y aura à boire. Allez, passe. Passe, 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 passe. C'était risqué, ça. C'est risqué, mais bêtement. Attendez, hop, je prends mon autre arme. Toi, tu vas mourir. Hop, on va juste prendre celle-ci à deux mains. On va jeter celle-ci. Et puis on y retourne. Est-ce que ça serait possible d'avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? J'ai soif. Retirer le verre brisé. On va anticiper. On va retirer ici aussi au cas où. Parce que on ne sait jamais. Ne me dis pas, il n'y a pas de bouteille. S'il te plaît. Il y en a ici. Et il y a un zombie derrière. Il y a un zombie. Ça vient de partout. Ça vient de partout. Je crois que c'est le petit mall, ça, de Louisville, je ne suis pas sûr. Hop, on va prendre ça.
Il m'aurait fallu une autre petite. Ouais, ou deux autres. Deux autres, c'est bien aussi. Deux, c'est mieux qu'un. Deux, c'est mieux qu'une. Par contre, maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est verser dans le vapeau. Il faudrait que j'arrive à me poser un petit peu aussi. Le vapeau est plein. Les bouteilles, allez, on va en garder sur nous. Ça pèse rien. Mais non, mais pourquoi? Mais tape correctement. Faut taper correctement là. Voilà, on va ressortir, se reposer un petit peu. Là, on va en avoir besoin. Ça devient urgent. Hop. Allez, repousse-toi. Et on va arrêter cet épisode-là pour aujourd'hui. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus, me dire en commentaire. Je vous dis à la prochaine, c'était Devil. Portez-vous bien. Ciao.